état d'esprit depuis que moi je suis arrivé dans cette équipe. Mon état d'esprit est toujours pareil. J'ai un état d'esprit dégagant et je pense que c'est sur le cas aussi de mes coéquipiers. Et on sait très bien que cette équipe de Mozambique, elle vient ici pour pouvoir jouer, pour pouvoir gagner. Et je pense que nous sommes vraiment prêts. Malgré qu'il y a encore certains de nos coéquipiers qui ne sont pas encore là, mais nous sommes déjà prêts et je pense que c'est un match qu'il faut qu'on gagne pour acquérir encore davantage de la confiance, pour mieux se projeter pour le match retour. Donc ça va être un match capital. Donc c'est un match qu'on ne doit pas s'amuser, on doit prendre ça vraiment au sérieux. Honnêtement, déjà là, premièrement, il faut essayer de visualiser bien le futur, mais c'est mieux aussi de vivre la réalité. La réalité, c'est le présent c'est le match qui est devant nous. Il faut vraiment déjà prendre ces matchs en compte. Il faut prendre ça vraiment sûr parce qu'aujourd'hui, il y a un peu des petites équipes en Afrique. Aujourd'hui, peu importe le temps, les petites équipes, quand je compte les autres pays, et ils montrent un peu un état d'esprit un peu très, très, très différent par rapport aux années précédentes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas des petites équipes en Afrique, il n'y a pas des petites nations. Donc il faut maintenant, c'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables et de montrer que, bon, ici, on est chez nous, peu importe, on est chez nous, et il faut qu'on montre de la première minute jusqu'à la fin qu'ici, il faut qu'on gagne en respect. Je pense qu'en gagnant des matchs, en faisant de très très bonnes performances, on va qu'on gagne plus de respect et les adversaires pourront avoir peur de nous. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de petite nation. Et c'est bien vrai que la qualification de la Coupe du Monde, la CAN, tout ça, on met ça dans un petit coin de la tête. Mais le plus important, c'est déjà se focaliser pour le match de jeudi. Faire vraiment une grosse performance et continuer.